Bonjour mes petits camarades. Ben, aujourd'hui nous sommes sur les hauteurs de Chaux. Je me dirige logiquement vers la première centrale nucléaire qui était enterrée dans la roche. On appelait Chaux A, puisque maintenant c'est Chaux B qui est construite. Donc voilà, il doit y avoir normalement quelques belles vues de là-haut. On va voir sur la vallée de la Meuse et sur le fleuve. Allez. À bientôt, bonne fin de journée et au revoir. Bon, ben vous voyez bien que tous nos amis chasseurs, malheureusement, ne sont pas écolos. Voilà ce qu'on trouve dans les bois de Chaux. Et il y en a un peu partout. Vous voyez? Un peu partout. Alors, plastique ferraille, ben, il faut un bout de temps avant que ça se détruise, hein. Voilà ce qu'on trouve. Également dans les bois, donc logiquement des grenades d'exercice, sauf que là ça sent la poudre noire à fond là-dedans et que le dispositif a été piégé avec du fil de pêche. Vous voyez, je sais pas si on le voit bien le fil de pêche. Voilà, donc dans quel but on ne sait pas trop. Enfin, ça a bien explosé quand même, hein. Il doit y avoir des bouts de ferraille et tout là-dedans parce que c'est bien éventré. Voilà,
écologie, écologie, comme disait l'autre. Voilà le respect de la nature des bois. Alors, je ne sais pas qui est ou qui sont les coupables, mais voilà, il y a des bouteilles partout. On ne sait pas trop pourquoi. Les gens ne ramènent pas leurs déchets, alors évidemment il y a des gens qui font du bois ici, hein. Est-ce que ce sont eux? Va savoir. Bon ben voilà, je suis arrivé tout en haut, au-dessus de la centrale de Chaumet. Là, on voit d'ailleurs derrière moi, je pense, les deux cheminées de refroidissement, donc les deux tranches sont là. Je me trouve donc sur les hauteurs où il y a les pylônes avec les câbles qui transportent l'électricité à partir de la centrale nucléaire de Chaumet. Voilà. Voilà le paysage sur les hauteurs, donc on est au même niveau que la sortie de la vapeur des deux cheminées de refroidissement là. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Et en bas, en contrebas, derrière, entre les deux cheminées, là on voit le feu, la Meuse. Voilà. Bon ben voilà, hein, je redescends, je ne sais pas où, certainement dans le village de Chaux. Hein, je ne vais pas arriver dans la centrale, je ne crois pas. Voilà, c'est le paysage. Ben, si tout va bien, s'il n'y a pas d'accident, de gros incidents nucléaires, voilà ce que ça donne. Et sinon, c'est fini pour nous, hein, les copains. J'ai encore un autre aspect au fur et à mesure que je descends. Et à côté de la cheminée de refroidissement de gauche, vous avez un dôme. Ça, c'est le cœur, c'est le réacteur, ça. Donc, ben, il y a une cheminée de refroidissement par réacteur. Mais comme il y a du soleil, là, on pourrait presque se croire dans la garrigue. Et ben, me voici redescendu. Il est 4h15. Je suis parti d'ici, il était 1h moins le quart. Donc, vous voyez, ça fait un bon bout de route quand même. Hein. J'ai fait quelques kilomètres que j'ai pas compté, évidemment. Alors, petite pause maintenant là. Il y a 1 heure de jeu, il y a un barbecue, il y a des jeux pour enfants. Et puis ma voiture est là-bas. Donc voilà, je fais une petite pause flotte avant de reprendre la route. Encore une belle journée. À bientôt. Au revoir. Et la Meuse est là, à côté de moi, vous voyez? Voilà. Très beau coin, bien calme. J'ai encore rencontré personne, comme d'habitude.